Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une story sur YouTube. Avant toute chose, il faut savoir que vous ne pouvez pas faire de story avec votre chaîne si vous n'avez pas au minimum 10 000 abonnés. Pour commencer, on va donc lancer cette application en étant connecté avec le compte correspondant à notre chaîne. Dès l'écran d'accueil, on peut remarquer l'affichage des stories des membres auxquels nous sommes déjà abonnés. Pour notre propre création, deux choix nous sont proposés, soit rapidement à partir du plus ici, ou bien à partir de l'icône caméra. Ensuite, on confirme l'autorisation d'accès aux fonctionnalités multimédia du portable, et à partir de là, c'est presque la même chose qu'une story sur les autres plateformes. Prendre une photo ou une vidéo en y rajoutant de la musique, des autocollants ou des émoticônes, de rajouter une image ou une vidéo déjà stockée sur l'appareil mobile. Pour l'exemple, on va rajouter cette capture d'écran. On peut ajouter un filtre ou du texte où on le souhaite, et pour finir, en appuyant sur suivant, on va alors pouvoir la publier. Par la suite, la story va se charger sur la plateforme. À la fin de son traitement, elle est enfin disponible et affichée aux abonnés de la chaîne. Si on souhaite la visionner, on y accède directement sur la page de notre chaîne dans la section Stories. En la visionnant, on a accès à d'autres fonctionnalités comme la fonction J'aime, aux commentaires et au nombre de vues. Pour terminer, par le menu de droite, si besoin, on a accès à la fonction Supprimer. À savoir que la story est disponible pendant 7 jours, au-delà, elle sera supprimée automatiquement de notre chaîne YouTube. Merci pour ce visionnage, retrouvez les meilleures vidéos à travers les playlists accessibles dans la description. À très bientôt.